Le SPRAT, système de pose rapide de travure, permet d'installer en quelques minutes un pont pour faire franchir du véhicule léger au char Leclerc une brèche jusqu'à 25 mètres de large. L'armée de terre en possède actuellement 6 en dotation au 13e régiment du génie. Après une reconnaissance technique par le chef d'engin, le pilote place le véhicule devant la brèche. Une fois les semelles posées, pour stabiliser et mettre l'engin de niveau, la mise en œuvre d'une ou de deux travures peut commencer. Pour permettre le franchissement d'une brèche de 24 mètres au maximum, il est nécessaire de solidariser les deux travures au moyen de crochets pour atteindre un pont de 26 mètres de long. Le temps nécessaire pour la pose d'une travure varie de 7 à 8 minutes selon que l'on pose la travure une ou deux, et de 10 minutes pour le pont long à deux travures. Un groupe SPRAT est composé de deux SPRAT, deux porteurs de travure supplémentaires, un TRM 10000 avec bras de manœuvre hydraulique, un TRM 10000 à plateau déposable avec la collection pour travure logistique, avec un effectif de 12 personnels, composé de 3 sous-officiers et 9 militaires du rang. Le personnel est formé par enseignement assisté par ordinateur concernant les caractéristiques de l'engin, son fonctionnement, sa mise en œuvre. En alternance avec le simulateur pour le pilotage, le SPRAT ayant des dimensions inhabituelles et une conduite particulière.